Oh, ben dis donc. Oh, ben dis donc. SOS, Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. Oh, vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là. Plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Que je vous résume l'histoire. Figurez-vous qu'au pays de Garenne, Trucmuche, un ogre affreux, s'est emparé du Père Noël et des petits Lublancois. Oh, les habitants viennent de m'appeler et j'arrive tout juste à Lublin. La salle du conseil, s'il vous plaît. C'est en face. Merci. Bonjour messieurs. Alors, qui est-il pour votre service? Eh ben voilà, c'est le Père Noël qui a voulu arrêter l'ogre. Mais non, c'est l'ogre qui voulait attraper les petits. Mais non, c'est le Père Noël. Voyons messieurs, expliquez-vous clairement si vous voulez que je comprenne. Eh ben voilà, c'est l'ogre. Commencez, laissez-moi m'exploser clairement la situation. Trucmus est passé à Lublin. D'abord, il a emmené quelques-uns de nos petits, puis il est revenu. Alors, le Père Noël a voulu l'empêcher, mais Trucmus l'a mis dans sa musette avec tous nos petits. Et puis, il est rentré chez lui, mais on ne sait pas où c'est. Alors, ça, on ne sait pas où c'est du tout. Mais pas parfait, j'ai compris. Il ne reste plus qu'à mettre la main sur Trucmus. Les Trucmus. Oh là là, mais il ronfle, on dirait une cocotte minute, oh là là. Et les autres qui chantent, mais comment peut-on dormir dans des conditions pareilles, oh là là. Quelle idée j'ai eu d'épouser un ogre croqueur. Ma maman m'avait bien dit, n'épouse pas un ogre croqueur, tu n'auras que des ennuis et tu dormiras mal. L'ogre croqueur est un ronfleur. Elle avait raison, ma maman. Oh là là, ça suffit maintenant. Trucmus, réveillez-vous. Trucmus, vous m'entendez? Trucmus, je vous parle. Répondez à la fin. Oh, mais vous êtes réveillé? Mais faites quelque chose. Ça ne va pas durer comme ça toute la nuit. Je veux dormir. Mais, Pélagie, je vais aller les calmer. Mais quelle idée vous avez eue de ramener un Père Noël chanteur qui les empêche de congeler quand même? Il faut toujours que vous fassiez des bêtises. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, les croquer sans les congeler. Vous croyez que c'est bon pour la santé de sucer des glaçons? C'est pour ça que vous ronflez. Oh, que j'aimerais dormir. Mais que j'aimerais dormir quand même. Mais enfin, calmez-vous, Pélagie. Mais enfin, calmez-vous, je vais faire le nécessaire. Mais enfin, elle est drôle, Pélagie. C'est mon nez qui me fait ronfler. C'est mon nez, hein? Ronfler mon nez. Poil, rat à poil. Ouvre-moi la porte, ô main noire. Alors, ce n'est pas fini cette vie de patachon, mais vous n'avez pas honte, vous, le Père Noël, de donner le mauvais exemple à ces gamins? Vous ne pouvez pas vous laisser congeler sans faire d'histoire? Abominable Trucmuche, ogre hypocrite, rends-nous notre liberté! De toute façon, tu n'arriveras jamais à nous congeler, Trucmuche de malheur! Mais, on m'énerve! Mais il m'énerve! Et Trucmuche, tu n'arriveras jamais à nous congeler! Mais, eh bien, est-ce qu'on va voir si elle ne va pas vous congeler? Allez, les enfants, chantons! Poil, rat à poil, ô main noire, congelé, même si je dois attendre un mois pour les dégeler! Merci, ô main noire. Oh là là, monsieur Léon, vous croyez qu'ils vont réussir à les sauver? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Léon? Oh ben, Larsen et le Saturnin, ça fait une drôle d'équipe, pensez donc. Avec Saturnin, il n'y a rien d'impossible. Mais moi, à la place d'Arsène, je ne serais pas rassuré quand même. Allez, Arsène, allons-y. Attention aux embûches.
Attention aux embûches, attention à Trucmuche, on l'aura, Arsène et moi, on l'aura.